ran until her face was numb with cold, and wore a cotton gown that blazed the night untold. She ran until her feet refused to hold, so heavy a heart for someone merely 10 years old. And when she reached the river, her knees began to shiver, her head with pounding voices from home. Behind her was a vision, a painful apparition of a darker world that no one should know. Somebody's bed will never be warm again. The river will keep this friend. Yes, somebody's bed will never be. Alors ici c'est un marché très intéressant parce que les commerçants viennent de tout le delta pour vendre leurs produits. Et la règle est qu'ils ne vendent qu'un produit par bateau. Alors pour montrer le fruit ou le légume qu'ils ont à disposition, ils le perchent tout en haut sur un bambou pour qu'on les voit de loin. Phucoc, une très belle île située à 120 km de la côte vietnamienne, où nous passons nos derniers moments au Vietnam avant de passer la frontière cambodgienne ces prochains jours. Mais Hervé, arrête de filmer et puis montre-nous sur une carte l'ampleur de l'étendue de notre trajet au Vietnam. Oui Aaron, nous avons commencé notre voyage tout au nord, à Dien Bien Phu, ville connue pour la cinglante défaite qu'elle affligea aux Français en 1954. Ensuite, nous sommes montés dans la superbe station d'altitude Sapa pour descendre quelques jours après à Hanoï, à la baie d'Along, à Ninh Binh où nous avons tourné notre deuxième reportage au Vietnam. Puis avons longé la côte tout du long dans ce pays qui ressemble à un dragon en passant par Hue jusqu'à Hoi An. Nous avons ensuite continué à descendre jusqu'aux belles plages de Nha Trang et puis Phan Thiet pour arriver au sud à Ho Chi Minh Ville, plus connue sous le nom de Saigon. Après quoi, le delta du Mekong, avec ses bras du fleuve sur lesquels circulent les bateaux avec leurs provisions et leurs marchés flottants. Et maintenant, Phucoc, la belle, la superbe île que malheureusement nous voyons que sous la pluie. On est bloqué sur le bateau, on est ensablé. Ouais, tu vas aller à Andienne ou pas? Ouais, on va à Tienne, ouais. Mais ça risque de prendre plus de temps que prévu, quoi. D'après vous, que faisait Aaron là derrière ?